bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va, tout va bien. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo, une vidéo un tout petit peu spéciale. Je vais vous présenter. J'espère que vous avez vu hein, derrière moi. Vous avez vu tout ce qu'il y a derrière moi. Donc, je vais vous présenter, je vais vous montrer les produits que j'ai achetés en seconde main. Voilà, c'est de la déco, il y a de la déco, il y a de la vaisselle aussi en seconde main. J'aime bien, vous savez que moi, la décoration, j'adore. J'adore les bonnes choses, j'adore les belles choses. Donc voilà. Et je suis partie chiner dans une association qui se trouve dans ma ville qu'on appelle Pénélope. Donc Pénélope vend un peu de tout. Donc ils vendent des meubles, des vêtements, des bibelots, de la déco et tout. Donc vous savez que moi je suis une addict, s'il faut que je dise ça comme ça, de la déco. Donc de temps en temps, j'y vais, justement, je trouve mes bonnes affaires. Voilà, moi c'est vraiment là-bas ce qui m'intéresse, c'est vraiment de la décoration, des bibelots, des petites choses que je peux transformer, changer moi-même, des DIY. Vous savez, ça fait partie de mon contenu. Donc vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous les montrer. Et les prix que je me souviens aussi, je veux vous dire combien ça a coûté. Donc, ma famille, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi, je m'appelle Lancia. Je suis maman de 5 enfants. Donc, sur ma chaîne, on parle de la décoration, des astuces, des conseils, de la mode. On fait aussi de la cuisine. Voilà, des DIY, lifestyle. Donc, du coup, voilà. Donc, quand je parle de DIY, justement, il y a beaucoup de choses que je veux pouvoir changer, que je veux pouvoir transformer, que je veux pouvoir customiser. Vous verrez en fait, vous verrez. C'est peut-être pas sur cette vidéo-là, mais ça peut être prochainement, voilà. Donc, il y a des choses que je veux pouvoir changer. Donc, sans trop vous retenir longtemps, on passe à la vidéo. Donc, on va commencer par ce vase. Il est beau, hein? Mais en fait, par rapport à ceux qui ont l'habitude de me suivre, ça fait un petit moment, par rapport à la décoration de chez moi, en fait, moi, c'est blanc, gris et doré. Donc, moi, j'aime pas trop, trop de couleurs. Après, chacun ses goûts, hein, comme on dit, on respecte. Donc, moi, voilà. Donc, par exemple, ce vase, ça n'a rien à voir avec les coloris qui sont chez moi. Ce que je veux faire, je veux customiser, je le changerai de couleur. Mais bon. Après, je suis en train de voir aussi, il y a une vidéo de printemps que je vais pouvoir faire, la décoration de printemps. Donc, justement, qui dit printemps, qui dit de la couleur. Donc, hein, faut qu'il y ait un petit peu de rappel de couleur et tout. Donc, voilà. Est-ce que je le garde juste pour le printemps ou je le change? Bon, on verra après. Mais sinon, ça restera, si je le mets pour la déco de printemps, ça restera du provisoire en tout cas. Je ne garderai pas une telle couleur chez moi. Vraiment, ça, voilà. C'est pas les coloris de ma déco chez moi, voilà. Donc ce vase a coûté 4 euros justement. Donc ça a coûté 4 euros. J'ai un autre. Par contre, ce verre, je vais l'utiliser pour ma déco de printemps. Donc je vous le montre. Ça a coûté 1 euro. Voilà. J'aime bien quand même, ça me plaît. Voilà, donc je l'utiliserai pour ma déco de printemps. Et ça, par contre, ce n'est pas les choses que j'ai prises en une journée. Hein. On va dire peut-être des choses, ça prend peut-être un mois ou un mois et demi. Ce n'est pas des choses que j'ai prises. Voilà. Ça, je l'ai pris, par exemple, aujourd'hui, ça a coûté 50 centimes. Donc ça, je vais le customiser. Je vais le bomber, soit en argent, soit en or. Mais il y a ma fille qui disait que c'est pas mal aussi, que ça reste un peu comme ça au naturel, avec le fleur de pampa. Si on ajoute, ça fera très joli. Voilà, donc à voir. Je vais réfléchir dessus. J'ai ça aussi. Si vous avez vu ma vidéo de la Saint-Valentin, vous avez dû les voir, je pense que dans ma chambre. Mais bon, ceux-là aussi, je les changerai, je les garderai pas comme ça. Voilà. Quand je ferai la déco, une fois changée, justement. Donc, faut retenir que je vous ai déjà dit que je les changerai. Hein, voilà. Quand je ferai la déco, donc je vous dirai si je l'ai changé. Voilà, donc retenez bien ce que je vous ai dit. Voilà, je les changerai, je les garderai pas comme ça. Et après ça, normalement aussi, quand j'ai fait la déco de centre de table, j'en avais deux. Donc du coup, j'en ai repris là-bas. C'était à 2 euros, 1 euro, un truc comme ça. Voilà, pour mettre des bougies et tout. Donc ça, c'est la déco que je vais peut-être utiliser pour la décoration de printemps. J'aime bien. Donc ça c'est 50 centimes, ça aussi 50 centimes, ça aussi c'était à 50 centimes. Donc ça fait ça.
ça j'en ai deux. J'aime bien aussi, ça change un tout petit peu. Voilà. J'adore. C'est des petits vases, je pouvais mettre des fleurs et tout. Voilà. C'est très joli. J'aime bien. J'ai pris cette bonbonnière là, que vous pouvez mettre des chamallows pour des enfants, des bonbons et tout. Voilà. C'était à 3 euros ça. 4 euros ou 3 euros par. C'est très joli, bien mieux. En plus, c'est lourd. Hein. C'est très très lourd. Regardez le design un peu. C'est joli. Après, et ça aussi, ça c'était à 3 euros aussi. Vous pouvez mettre des cotons-tiges dans votre salle de bain ou des boules de coton. Pourquoi pas? Voilà, ou des cotons démaquillants aussi. Hein. Vous pouvez aussi l'utiliser dans la cuisine. C'est comme vous voulez. En tout cas, c'est chouette. J'aime bien. Il y a ça aussi, c'était à 50 centimes. Voilà, c'est une petite bonbonnière aussi. Ça venait avec ces fleurs-là, mais je verrai qu'est-ce que je peux en faire. Voilà, c'est comme ça. Après, j'ai ça. Mais ça, je compte le bomber en doré. Non, plutôt en argent. Et puis ça en doré. Non, moi, c'est un tout petit peu doré aussi déjà à la base, mais ça a changé un peu de couleur. Voilà. Pour la décoration, dans un plateau, ça ferait pas de mal. Ça, je l'ai à 50 centimes. Donc, ce que je veux faire, je vais retirer les fleurs là. Je vais juste laisser les branches. Voilà. Que je mettrai dans un vase. Voilà. Je voulais les bonbons aussi. Ma fille, elle est un peu comme moi. Elle me dit, non, maman, laisse ça comme ça, naturellement, c'est très bien et tout. Je crois qu'elle n'a pas tort. Donc voilà, on va jeter ça, on va les retirer. On laissera que des branches qu'on mettra dans un petit vase. Après, vous me direz, ah, mais non, ça c'est quoi ça encore et tout. Voilà, ça, je veux le bomber en doré. Donc ça va changer ce que je ferai. Je mettrai des gros, par exemple pour celui-là, je mettrai vraiment une grosse bougie ici. Voilà, dans ça une moyenne, voilà. Une fois que je le customiserai, vous verrez que ça va faire très joli. J'aime bien moi, ça va, ça change un peu. Ça vient un peu de l'ordinaire, voilà. C'est joli. Ça fait comme un peu des bougeoirs, quoi. Moi, je compte les faire comme ça, en fait. Moi, personnellement, je vais m'en servir comme ça. Voilà. Quand j'ai fait la déco de centre de table, je crois que vous avez vu... J'en avais utilisé, je l'avais acheté à 2 euros. Voilà. Toujours dans la décoration, j'ai un gros vase comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Bah normalement, oui, je le vois bien, voilà, dans la caméra. Ce que je veux faire, je veux le bomber ici, où je veux coller une petite décoration avec des strass que je mettrai là tout autour, pardon. Que je mettrai tout autour, voilà, avec des belles fleurs, je crois que ça va le faire. En tout cas, j'aime bien, voilà, je trouve ça joli. En fait, ça va pas avec le couvert qui va pas avec, mais bon, c'est un peu large, mais bon, vous imaginez un peu. Sinon, à la limite, si je laisse le couvercle, je peux mettre des boules dedans, par exemple, ou une guirlande lumineuse, ça va faire joli aussi, avec une guirlande lumineuse dedans. Ça ferait aussi joli, voilà. J'aime bien. Donc, j'ai pas dû le prix 1 euro, le couvercle, ça devait être 50 centimes, il me semble. J'ai ces miroirs-là de décoration, il y a encore le prix. Je vais vous montrer, c'est à 1 euro. Voilà, j'ai quoi? J'ai 3 pièces dedans. C'est que c'est joli, hein, pour me décorer. Oh, j'en ai même 4, je crois. J'ai ça. C'est très joli, j'aime bien. Je peux poser des bougies dessus ou des parfums. C'est très joli. Voilà. Il y a un pivot qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a 4 pièces. J'aime bien, c'est très joli. Donc, 1 euro.
Regardez, c'est pour ça que je dis, des fois on peut tomber sur des choses qui sont encore neuves. Bah, la preuve, quoi. Voilà. C'est encore dans l'emballage. Donc, on continue. J'ai pris ça. Ça, je l'avais utilisé aussi pour la déco de centre de table. Si vous étiez tombé sur la vidéo, si vous avez fait attention, voilà, je l'avais déjà utilisé. Donc, ce petit platon vert, on peut poser, on peut utiliser ça aussi pour la cuisine. Hein. Poser des amuse-bouches dessus, du fromage et tout. Ou pour, par rapport à la décoration, des bougies, un vase et tout, tout ce que vous voulez. Ça ressemble un peu à ça. Ça aussi, c'est un platon vert. Voilà, celui-là, je crois que c'est à 2 euros. Et ça, c'est à 1 euro. J'aime bien. Après, ça, je l'ai eu à 1 euro. Parce qu'il y a ça qui s'était décollé. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai le pistolet à colle. Je veux le coller. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Je mettrai une très belle image dedans, soit une photo, soit une petite fleur, voilà. Soit un petit signe, bah, par exemple Chanel ou tout, je sais pas. En fait, on verra ça plus tard, on découvrira plus tard, au moment opportun. Donc voilà, c'est joli. J'aime bien le design aussi. Voilà. Sur le côté, c'est doré. Là, c'est un peu comme si c'était de la paille. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien. Après, j'ai ce bougeoir, c'est à 1 euro aussi. C'est ça en fait, moi j'aime bien tout ce qui est chromé, or, en fait doré et tout, j'adore. Voilà, ça c'est à 1 euro. Ça, ça me ressemble en fait, ça ressemble vraiment à la déco de chez moi, j'adore. J'aime des choses comme ça. J'ai ces bouteilles là, à 1 euro la pièce. Voilà, pour décorer un peu pour le printemps. Il y a aussi en rose. J'en avais pris 3. Ça changera un peu. On verra qu'est-ce qu'on peut faire. On verra bien. Voilà. Il y a des petites bougies dedans. À la limite aussi, je peux retirer les bougies. Je laisse ça comme ça ou mettre des fleurs. On verra, je ne sais pas. Il y aura toujours une petite idée, donc on ne s'inquiète pas. L'inspiration va venir. Il n'y a pas de souci dessus. Ça va le faire. Donc voilà, donc tout ce qui est déco, j'ai eu ces beaux livres, franchement c'est joli, ça c'était à 2,50 €, mais en plus j'ai trouvé ça abordable, parce que d'habitude c'est dans les 5 euros, voire un peu plus, parce que c'est un gros livre, en plus il est lourd, et ça, je l'ai eu à 1,20 €, j'aime bien, voilà, ça en fait ce qui me plaît, l'intérieur ne me plaît pas trop en fait. Moi, c'est juste pour la décoration et tout. Ou limite même le changer, faire un livre Chanel. Vous n'allez pas comprendre si vous n'avez pas vu de quoi je parle. Voilà. Il y aura un jour, on va faire des DIY où je transforme ce livre en Chanel. Voilà. Et ça, j'aime bien en fait. Regardez, je vais vous montrer un peu. Tout ce qui est décoration, regardez. Parce que ça, par exemple, c'est joli. Des fois, ça donne des idées de décoration, en fait. Vous voyez? C'est magnifique. C'est pas joli, ça? J'aime bien, moi. Regardez. Il est trop beau. Voilà, je vais pas vous faire tout le livre, mais juste pour vous dire que c'est un beau livre de décoration. Voilà, comme c'est marqué aussi. Les idées de décoration. Donc 1,20 € ça a coûté, je suis là, j'ai la déco d'ananas, j'ai ça, ça avait coûté je crois 1 €, ça fait un petit moment que je l'avais acheté, voilà, ça me servira aussi pour la déco de printemps, donc ça, ça a coûté 1 € aussi. Toujours dans la déco, voilà, j'ai pris ça, je me suis dit mettre ça dans un plateau en or, je crois que ça ressortirait quand même, voilà, c'est une carafe à la base, c'est une carafe pour mettre de l'eau, ou un vase aussi hein, pour mettre des fleurs. Je me suis dit peut-être dans un plateau en or, ça va être bien. Voilà. J'essaierai. J'ai pas encore essayé, mais je pense que ça passerait avec des fleurs. Je crois que ça ira. Après, j'ai pris ce trois pots d'épices. Voilà.
50 centimes la pièce. Ça, je peux mettre le sel. C'est pratique. Voilà. Les épices, peu importe. Ce petit cœur, je l'ai pris à 50 centimes. Mais bon, c'est pas encore février, hein, ça vient de passer déjà. Donc, pour l'année prochaine, quand je vais refaire ma déco de la Saint-Valentin, je pense que ça pourra m'aider. Voilà, 50 centimes. Ce petit cœur. Et 1 euro, cette petite bouteille, on peut mettre de l'huile dessus. On peut l'utiliser pour mettre de l'huile dedans. Avec un petit bouchon. Ou du vinaigre blanc, hein, en cuisine. Ça serait pas de mal aussi. Voilà. Ces petites boîtes, j'aime bien. J'aime bien pour les spaghettis. Pour les spaghettis. Elles sont grandes quand même, ces boîtes. J'aime bien pour mettre les pâtes et tout. Vraiment, je les vois bien pour les spaghettis. Voilà. En longueur comme ça. C'est juste top. Voilà. Je crois que dans la déco, il ne reste plus grand-chose. Bah, ce petit plateau. Après, ça peut aller en cuisine comme déco. Voilà. Dans la salle de bain, pourquoi pas? Tu le vois bien dans la salle de bain. Il est tout petit, mais il est bien. Ça peut servir. Donc là, on a fini tout ce qui est décoration. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire. Et là, on va passer à la vaisselle. En fait, il y en a tellement, mais je ne peux pas tout sortir. Je ne peux pas tout vous montrer, il y en a tellement. Donc j'ai choisi quelques affaires bah, justement pour vous montrer quoi. Voilà. Pour vous dire que des fois en seconde main, on peut trouver des bonnes choses. Pas cher. Moi j'aime bien mélanger. Hein. J'aime bien mélanger, prendre ce qui me plaît, ça ne me dérange pas. Tant que c'est propre, c'est bien et tout. Ah bah tiens, c'est parti, je le prends. Voilà. Donc j'ai c'était hier. C'est pas mal. En fait, c'est le même modèle. J'en ai deux. Parce que là, en fait, il y a. Là, le scotch, je vais protéger un peu. Voilà. À 1 euro la pièce. C'est pas joli ça? C'est pas joli? Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir. Attendez. Dans un plateau comme ça. Mais non. C'est juste pour vous donner une petite idée. C'est pas beau ça? Regardez. C'est joli ça. C'est joli. Voilà. Donc 1 euro la théière et ce plateau, 1 euro aussi. 1 euro aussi. Comme on est dans les plateaux, 1 euro. Il y a trois compartiments, voilà. Vous pouvez mettre des olives, j'en sais rien, par exemple les arachides, tout ce qui est cacahuètes et tout, des chips et tout, c'est vous qui voyez. Les amuse-bouches, tout ce que vous voulez en fait. Des raisins et tout, voilà. Vous pouvez mettre plein de choses dedans. Il y a trois compartiments, c'est juste joli. 1 euro aussi. Après, vous avez deux grands plateaux. Voilà. Celui-là, il est creux. Celui-là, il est plat. Donc, celui-là, il était à 3 euros si j'ai une bonne mémoire. Ça aussi, si j'ai une bonne mémoire. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. C'est en bon état. C'est juste. Top! C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et moi, en fait, ça m'arrive de faire une belle table. J'attends pas que, non, que je reçois du monde ou que j'ai des invités. Donc, deux fois, ça m'arrive, je décide, bah tiens, aujourd'hui, je vais décorer ma table, que ce soit avec mon amoureux ou avec les enfants, famille. Je me dis, non, je veux faire une belle table, chic, glamour, voilà. Limite, même un peu aux chandelles, hein, avec des bougies et tout, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est pour ça. Si vous attendez que vous ayez des invités, justement, pour pouvoir utiliser de la belle vaisselle, franchement, vous en servirez pas et puis vous profiterez pas de la vaisselle. Donc, vaut mieux peut-être de temps en temps, même en famille, vous faites une belle table. Voilà, vous en profitez. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Bah, c'est ce que bah, je fais, moi. Voilà. Donc, on continue. Ça, j'en ai 10, mais bon, je vais pas sortir tous les 10, ça sert à rien. Je vais pas sortir tous les 10. J'en ai sorti 5. Voilà.
Pour la Saint-Valentin aussi, j'en avais utilisé. C'est ici que j'avais mis mes friandises. Voilà, c'est très joli. Je crois que les 10, je les avais eu pour 3 euros, il me semble, si j'ai une bonne mémoire. C'est joli. Vous pouvez servir ça pour les desserts et tout. Servir des fois de la compote avec les enfants. Voilà. Mettre des fruits aussi, la salade de fruits. Pourquoi pas. Il y a ce plat, tardant. Voilà. À 3 euros. Avec des liseries dorées sur le côté. Pour présenter à table, ou en fait, une fois que vous avez fini de faire à manger, justement, vous mettez votre nourriture dedans pour le service. C'est très joli, j'aime bien. À 3 euros. Pour changer un peu de coloris, j'ai pris ça. Ça change un peu, pourquoi pas. Voilà. J'aime bien. À 3 euros aussi. Je trouvais ça abordable. J'avais pas eu ça le même jour. Ça, c'était un autre jour. Ça aussi, c'était un autre jour. Voilà. Avec ce gros plateau. À 2 euros. Je trouve que ça va très bien ensemble. C'est très joli. J'aime bien. Je trouve que ça fait de la belle vaisselle. Après, j'ai ces boîtes-là aussi. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Mais l'idée viendra. Ne vous en faites pas. Ça va venir. Voilà. 50 centimes, 30 centimes. C'est pas mal. Hein. Après, j'ai ce petit plateau. J'ai ce petit plateau que vous pouvez mettre... le fromage, ou présenter vos fruits aussi, ou même de la décoration, voilà, c'est pas mal ça aussi, vous pouvez faire plein de choses avec, j'aime bien, le seau à champagne, ça fait un petit moment aussi que je l'avais pris chez eux, moi je l'avais pris à 5 euros, ça aussi à 5 euros. Là, c'est tout transparent. Et là, c'est en inox. Voilà, c'est pas mal. Pour changer un peu, ça dépend de ce qu'on préfère par rapport à la déco qu'on a envie de faire. Donc, j'ai deux différents. Voilà. C'est bien d'aller chiner. C'est bien d'aller chiner. Voilà. Après, tout le monde n'aime pas. Tu me diras, bah, moi, je trouve rien. Moi, je... Voilà, voilà. Après, chacun sa passion. Moi, c'est ma passion. Voilà, c'est ma connaissance, donc je m'y connais dans ça, donc du coup je trouve toujours quelque chose que je peux transformer, qui peut limite vraiment, en fait, qui va me faire du bien, pas limite, qui va me faire du bien, que je peux changer et tout, voilà. J'aime bien aller chiner, voilà, comme j'ai dit, j'aime bien mélanger comme ça, voilà. Des fois on trouve aussi une chose rare, hein, que tu ne trouveras pas partout justement dans toutes les maisons, voilà, ça dépend de quoi. C'est bien d'aller chiner. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça, la petite théière comme ça. C'est joli, ça change aussi du blanc que je vous ai présenté tout à l'heure. Là. À 1 euro. C'est joli. Hein. Va voir la maison du monde. Ouais, combien ça coûte. Voilà. En fait, c'est parce que je connais plein d'articles au niveau de la déco et je connais plein. Je connais beaucoup d'enceintes, donc beaucoup d'enseignes. Donc je sais. Combien ça peut coûter en fait. Donc quand je vois, je sais que non, ça, ça a de la valeur, ça c'est une bonne chose, c'est une bonne affaire en fait. Je sais, j'arrive à comparer les prix. Voilà, je connais pas mal de la... Je connais pas mal de magasins de déco, donc je sais à combien ça peut tourner au niveau du prix. Voilà, j'ai toujours une petite fourchette, donc bah, je sais pas. Voilà. Parce que dans votre enseigne, comme j'ai dit, ça coûte très cher. Voilà. Donc ça, 1 euro. Corbeille de fruits, j'en ai déjà, mais bon, pour changer de temps en temps, ne pas avoir toujours la même chose, moi j'aime bien, voilà, une petite corbeille de fruits comme ça, 3 euros, parce que ça, je crois qu'à la foire fouille, ça doit coûter dans les 3 euros, non, qu'est-ce que je raconte, dans les 8 euros, un truc comme ça, voilà, donc 3 euros quand tu vas comme ça, c'est nickel, c'est en bon état, j'hésite pas, je prends.
ça aussi, c'est les coups de cœur. C'est juste voilà. Ça change. J'aime bien. C'est joli. Regardez le design. Regardez. Regardez. C'est beau, hein? C'est beau. Très joli, j'aime bien. Une petite théière aussi en inox, c'est joli. C'est joli. Ça, je crois que je l'avais eu à 3 euros si je ne me trompe pas. Ça fait un petit moment quand même que je l'ai reçu. C'est joli. C'est joli. Dans un plateau en inox aussi, pareil. C'est joli pour servir et tout. C'est juste waouh. Voilà. J'adore. J'adore les bonnes choses. Ça me fait bien au moral. Voilà. J'adore de la belle déco. Ça me fait bien au moral. Ça me fait du bien et tout. J'adore toutes les choses qui sont jolies. J'aime ça. C'est moi, quoi. J'aime. Voilà. Après, j'ai ça. Je pense qu'on peut faire des petites bougies chauffe-plat dedans. Pourquoi pas? Oui. Utiliser en sous-verre. J'en ai plein, mais je crois que je vous le disais. Voilà. Donc le lot, je crois que c'est à 2 euros. Alors ma famille, cette vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère que tout ce que je vous ai présenté, ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Voilà. Donc c'est bah, c'était le but, hein. Donc comme j'ai dit, moi la déco c'est ma passion en fait. J'aime bien les bonnes choses. J'aime bien transformer, customiser les choses. Voilà. Il y aura pas mal quand même de choses que je vais pouvoir customiser. Donc peut-être il y aura dans l'une de mes vidéos, justement, vous retrouverez des choses que je vous ai montrées et que j'ai pu changer. Donc, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est Mama, famille nombreuse. C'est là-bas que je fais des posts pratiquement tous les jours. N'hésite pas à me suivre. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager dans ton entourage. N'hésite pas à partager chez les collègues. N'hésite pas à partager chez tes amis, dans la famille et tout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Allez, bye bye ma team. À très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye.